Bonjour à tous et à toutes, oldschoolgameuniverse.blogspot.fr vous présente une énième vidéo des derniers achats du dernier trimestre 2016. Alors on a un seul et unique jeu 360 et tout le reste c'est de la Xbox One. Donc on commence par Captain America Super Soldier. Un jeu bien sympa. Donc c'est un beat'em up. Donc un beat'em up que je trouve plutôt fidèle à la licence cinématographique. J'ai vu les films. Je trouve que je me souviens plus trop précisément. Il y a longtemps que j'ai vu les films, quoi. Mais je veux dire par là que voilà, on retrouve des personnages du film, tout ça. Bon, le jeu je le trouve assez sympa. Je trouve que les environnements sont plutôt pas mal. Et il y a une petite sensation de liberté que j'aime bien. Quand on a parcouru un niveau, tuer les ennemis et tout ça, et récolter les items cachés. Parce que y a ce genre de jeu où tu peux t'amuser à collectionner certains items pour débloquer des petits trucs. Une fois que tu as passé un niveau, quoi, tu peux revenir en arrière. Bon, des fois pas, mais sinon tu peux retourner en arrière et tu peux de nouveau te promener. Bon, il y a des fois un ou deux ennemis qui ripop et des fois pas. Et puis qui respawn, quoi. Je trouve ça assez sympa en fait. Dans certains niveaux, en tout cas, il y a une sensation de liberté, je trouve ça assez sympa. Voilà, donc sinon il y a un système de plateforme qui est plutôt bien vu, je trouve. Ça évite finalement de se rater en fait. On a donc des comment je peux dire, le Captain America peut s'accrocher à différents trucs, quoi, des plateformes, des tuyaux pour se balancer, tout ça. Et en fait, ces parties-là, en fait, on sait qu'on doit y aller parce que ça se met en surbrillance et on n'a plus qu'à appuyer sur le bouton A, je crois. Et donc là du coup il y va automatiquement et c'est finalement plutôt pas mal. C'est bien trouvé, ça évite de se rater parce qu'il y a eu tellement de jeux des fois avec des phases de plateforme où les sauts étaient pas très bien gérés et finalement c'est pas mal. Voilà. Après le système de combat il est assez sympa. Par contre il est totalement il est beaucoup moins assisté que les sauts. Il est très très bien, il y a un système de contre qui est plutôt pas mal, et esquive aussi. Au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, du coup on débloque des compétences pour le Capitaine America, donc ça c'est très très bien. Donc on fait de plus en plus de coups spécifiques, des finish moves, tout ça, c'est vraiment sympa, c'est un beat'em up qui est sympa. C'est pas un excellent jeu. Enfin, je veux dire par là, c'est un très bon jeu, mais il est pas parfait, quoi. Voilà, il n'est pas parfait. Mais je le trouve assez bon. En tout cas, moi, il me plaît bien. Et je l'ai pas encore fini, mais en tout cas, je suis assez proche de la fin. Il est très très bien. Il faut que je m'y remette. The Crew Xbox One Worldwide Edition, donc il contient le jeu The Crew de base et l'extension Wild Run. Alors, le jeu est très bon. Il y a vraiment une sensation de liberté parce que c'est un jeu de course de voiture dans un monde ouvert, donc il est vraiment très bon. Le seul truc maintenant que je reproche, c'est son côté marketing comme dans tous les jeux actuels. Que ce soit chez Nintendo, Sony, Microsoft, c'est-à-dire que cette version-là est pourtant pas vieille, il me semble, et pourtant il y a une version Ultimate, là, à l'heure actuelle, qui coûte dans les 40 à 50 euros en fonction de l'endroit où vous l'achetez, donc 2 fois plus cher, parce que moi je l'ai payé, je crois, 20 euros à peu près, 9. Et je suis déçu parce qu'en fait, finalement, l'autre coup, quand j'ai relancé le jeu, ça faisait plusieurs jours que j'avais pas joué. J'ai relancé le jeu. Le jeu s'appelait plus The Crew Wild Run Edition, mais s'appelait... je sais plus le nom, mais c'est le nom d'extension où on peut jouer avec des voitures de police. Qui d'ailleurs, bienvenue dans ce type de jeu, c'est vraiment bien fait. Et du coup, moi, en voyant ça, à l'écran titre, je me suis dit, j'ai un doute quand même. Mais bon, je me dis, il l'appelle comme ça, peut-être que je vais pouvoir télécharger gratuitement l'extension. Faut pas rêver quand même, mais bon. Le scénario, le script te propose, sans arrêt une fille qui te parle toutes les 2 minutes, d'ailleurs ça devient limite chiant, qui te dit, bah tiens, une voiture de... machin. Bon, ok, tu vas chercher la voiture de police, qui d'ailleurs, la première voiture est gratuite, tout comme ta première voiture dans tout le jeu à la base. Tu fais des essais, tu peux conduire... Non, mais sans déconner, il n'y a pas l'extension, tu peux tester. Tu peux sortir chaque véhicule du garage pour le tester. Autant de temps que tu veux. Tu peux le tester dans le pâté de maison qui est autour du garage. Bon, voilà, tu peux le tester autant que tu veux. Moto et puis divers véhicules, quoi. Alors, je suis très surpris parce que donc, finalement, je sélectionne la voiture qui est gratuite. Et finalement, après, automatiquement, il m'envoie sur le marché Xbox Live pour acheter l'extension qui coûte quand même 25 €. Bon, alors moi déjà, j'achète pas du dématérialisé, mais uniquement des jeux en boîte. Et en plus de ça, bon, bah voilà, c'est vraiment j'appelle ça des escroqueries, quoi. Je sais très bien que c'est le truc de maintenant. Bon, ça fait quand même déjà plusieurs années que ça existe, ce système-là, mais qu'on te fasse pas croire à des conneries, quoi. Pourquoi quand je lance le jeu... J'ai tout installé ce qu'il y a dans la boîte. Pourquoi c'est toujours pas The Crew Wild Run Edition? Pourquoi ils l'ont surnommé avec le nom d'extension actuel là, qui est sorti il n'y a pas longtemps? Je trouve ça assez dégueulasse parce que du coup, toi, tu t'imagines que finalement tu vas pouvoir bénéficier d'une voiture de police et puis pas du tout. Non, j'appelle ça des escroqueries, moi. Et du coup, bah, finalement, ça m'a blasé parce que le jeu il est pourtant très très bon. Mais ça m'a blasé, j'ai sorti la galette d'Awan et puis je l'ai rangée en sa boîte. Et pour l'instant, j'y touche plus parce que j'ai une dent contre ce système-là. Je suis assez dégoûté et pour l'instant, j'ai plus envie d'y jouer, quoi. Parce que, en fait, j'ai vu quelqu'un d'autre hier, justement, qui l'a et puis qui m'a dit, bah, de toute façon, en toutes les 2 minutes, la fille, elle va te rappeler que tu as une voiture à aller chercher. Donc, au bout d'un moment, ça te frustre, c'est super chiant. Donc, quelque part, il y a de différentes façons dans le jeu, en fait. En plus de ce que je vous ai expliqué, plus la gonzesse qui nous le rappelle sans arrêt, on t'incite plusieurs fois à finalement acheter l'extension si tu l'as pas. Alors bon, qu'on t'incite une fois comme ça, bon bah voilà, leur but c'est de se faire du fric, mais qu'on te le fasse pas sans arrêt. Tu perds du coup le plaisir du jeu et tu peux pas... moi, à la rigueur, je laisserai un peu de côté cette nouvelle extension que j'ai pas. Et puis je pourrais me mettre à fond dans la version normale et puis l'extension Wild Run. Mais non, sans arrêt, on te rappelle qu'il y a une nouvelle extension. C'est chiant, du coup, pour l'instant, ça me gave. Alors voilà, je sais pas si vous serez de mon avis, mais bon, sans déconner, franchement, je suis assez dégoûté. Et pourtant, mais le jeu, il est très très bon, quoi. Mais bon, le système autour, ça me... Voilà, Vraiment, ça me saoule. Alors sinon... Voilà, moi je vous conseille cette petite compilation rétro, avec donc des anciens jeux qui sont sortis pour beaucoup dans les années 90, donc par Rare, un studio assez connu durant sa carrière. Donc on sortit pas mal de jeux sur 64, entre autres avec je vais éviter de vous énumérer la liste des jeux, Il y a 30 jeux, ils valent tous le coup en fonction bien sûr de nos goûts respectifs. Moi je sais qu'il y en a quelques-uns que j'y jouerai sans doute pas ou presque pas, mais après il y a énormément de jeux qui me plaisent. Donc on a bien sûr alors je sais plus le nom, je vais peut-être regarde un peu plus en détail. Il y en a un que je cherche en particulier. Comment s'appelle-t-il? Je crois que c'est Conkers Bad Fur Day. qui me semble est assez cher, un original. Donc assez content quand même de le trouver dans cette compilation, quoi, parce que c'est vrai que c'est une folie pure, quoi, d'acheter du rétro aujourd'hui. Bon, il y en a toujours à des prix abordables, mais il y a des jeux comme celui-là, c'est même pas la peine. Voilà, donc on retrouve ce jeu-là, on retrouve aussi par exemple le premier Perfect Dark, ainsi que Perfect Dark Zero, qui était donc Perfect Dark premier du nom sorti sur 64, et sa suite Perfect Dark Zero sorti sur 360. Donc voilà, ils sont dans la compilation. Il y a aussi... alors par contre, il n'y a pas GoldenEye. Hein, et je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs, mais bon, il n'y a pas GoldenEye. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Bah, les Banjo Kazooie. Voilà. Les deux versions 64, version sortie sur 360. Bon voilà, j'en dis pas plus, mais en tout cas, il y a pas mal de jeux très intéressants, dont certains que je n'avais pas encore testés. J'en ai testé un l'autre coup, je sais plus le nom du jeu, ça se passe dans un manoir hanté. C'est assez sympa, le gameplay est assez original pour l'époque, je trouve vraiment très très fun en plus. Bon bref, voilà, c'est une bonne compilation que je vous recommande, qui est à, moi je l'ai vu à 30 € en magasin, mais sur le net on peut l'avoir allez, on peut l'avoir à 15 € quoi, hein, voilà. Donc moi tous ces jeux-là, je les ai achetés suite à des ventes que j'ai fait. J'ai toujours des jeux en trop, donc que je finis par vendre petit à petit, pas tous, hein, mais il y a toujours certains titres. Alors ensuite on se met à Killer Instinct. On parle pardon de Killer Instinct, Killer Instinct Definitive Edition. Donc voilà, qui à l'époque était donc sorti, je crois, en démat, si je dis pas trop de bêtises. Une version gratuite, il me semble aussi. Si je me trompe, bah, vous me le direz. Depuis là, cette année, je crois que c'était à la rentrée. À la rentrée, donc il est sorti comme ça en boîte dans Definitive Edition. Hein, c'est équivalent à un GOTY, quoi. Avec tous les personnages qui étaient sortis à part. L'OST sur disque, donc c'est assez rare, vu qu'aujourd'hui on propose principalement des OST en digital. Là, l'OST du jeu sur un disque, c'est vraiment très sympa. Donc sinon, tout le reste est sur le disque et il faut l'installer. Il y a peut-être même une petite broutille à télécharger, je crois, je sais plus ce que c'est. En tout cas, c'est dedans. Donc voilà, il y a tous les persos, il y a tous les lieux de combat, tout ça, donc c'est vraiment un très bon jeu de combat avec des combos de fou. Le seul truc que je regrette, c'est qu'on peut pas faire les fatalités comme on le faisait à l'époque sur le premier de la Super NES. Là, mais bon, après c'est pas, voilà, on passe un peu, on oublie un peu ça. Le jeu est quand même joli, la prise en main est très bonne, vraiment le jeu s'adapte aussi bien aux experts du pad qu'aux amateurs et débutants, donc c'est un très très bon jeu. J'ai même halluciné sur certains persos avec des ultra combos à 120, 130, 130 hits. Alors que moi, en m'entraînant, j'ai été jusqu'à 30 hits sur certains persos, voire même récemment 33 ou 35. Mais j'arrive pas à aller plus haut que ça. Et encore, il y a des fois, j'ai du mal à revenir à 30. Hein. Donc voilà. Bah, par exemple, moi j'aime beaucoup ce personnage-là, là, le nordique. Là, il est très 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 sympa. Donc lui, je le prends assez souvent. Et puis sinon, ben voilà, on retrouve tous les personnages de base qui étaient sortis sur les anciens Killer Instinct, hein, voilà. Et on retrouve les versions d'origine, du premier Killer Instinct et le deuxième sorti sur 64. Donc c'est vraiment très sympa. Il est très complet ce jeu, c'est une très bonne édition, voilà. Ensuite, La Terre du Milieu, L'ombre du Mordor. Voilà, donc sorti à la base sur 3.6, PS3, One, PS4 et même PC. Donc voilà, c'est un jeu bien sûr que je déconseille sur PS3 et 3.6 parce qu'il avait été très très mal fait, très mal optimisé, c'était une horreur. Il est totalement bâclé, truffé de bugs. Tandis que là, il est très réussi sur One et PS4. Donc voilà, son édition GOTY est vraiment excellente. Bon, il est neuf, hein. Vous allez me dire comment je le sais, bah parce que j'ai eu de très bons échos, il y a des gens qui m'en ont parlé, c'est un très très bon jeu avec un gameplay très très fun qui bien sûr nous fera penser à Batman Arkham par exemple, entre autres. Le personnage peut grimper aussi, etc. Il y a des phases un petit peu plus axées, on va dire, infiltration. Hein, c'est pas de l'infiltration pure, faut pas déconner, mais bon, bref, voilà, au niveau gameplay, c'est très très bon, pardon, et voilà, le seul truc qu'on regrettera, c'est peut-être un peu trop de liberté par les développeurs pour l'univers de Tolkien, mais après, bon, c'est sympa, et moi, le truc que je reprocherais, parce que je me suis renseigné, c'est qu'en fait, il n'y a pas de New Game Plus. Voilà, c'est le truc que je reproche. Mais bon, après, j'ai envie de le faire, donc on verra bien si le jeu a de la rejouabilité. Certains disent que non, mais bon, moi je le verrai après l'avoir fini une première fois. Voilà. Oh, ensuite, on a Arslan The Warrior of Legend, donc bien sûr basé sur le manga et la série animée. Donc moi, j'ai vu les premiers épisodes, justement, en VO sous-titré. C'est pas mal. Le jeu est mieux, quand même. Parce que bon, bah après on suit l'histoire des personnages dans la série animée, donc après on aime ou on n'aime pas. Moi j'ai trouvé ça pas mal. Et donc le jeu c'est un musso dans le même genre qu'un Dynasty Warrior. C'est vraiment... voilà, c'est le même genre de jeu. Donc si vous aimez Dynasty Warrior, vous aimerez aussi Arslan. On peut jouer à deux en local aussi. Tout comme Killer Instinct. Hein, on peut jouer à deux en local. Donc ça c'est très intéressant. Ensuite on a State of Decay Year One Survival Edition, donc qui contient bien sûr le jeu d'époque refait, donc remasterisé en 1080p. Voilà, avec les extensions, Lifeline et Breakdown. Et il y a des petites choses en plus. Il y a même un code qu'on télécharge un véhicule et une hache pliante et un fusil. Voilà. Donc voilà, c'est un jeu qui est plutôt pas mal. Bon, techniquement, malgré tout, même s'il est remasterisé, il est quand même dépassé techniquement. Il est assez sympa, je trouve. Il y a vraiment un côté survie très 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 prononcé. Il y a des trucs un peu moins réalistes que d'autres, mais dans l'ensemble, c'est vraiment très bon. Le seul truc, sinon, que je pourrais dire aussi... c'est que j'ai joué vraiment plus d'une dizaine d'heures dessus, peut-être même une vingtaine d'heures déjà. Je ne l'ai pas fini, mais je l'aime beaucoup. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire, moi je l'aime bien. Après il est peut-être un peu difficile par moment. Bon, c'est le système de jeu, c'est le jeu en lui-même qui veut ça, donc après je trouve ça plutôt normal. Voilà, donc un personnage avec sa jauge de santé, sa barre d'endurance, il faut tout gérer en fait, hein. Si on porte quelque chose de trop lourd, bah, la barre d'endurance elle baisse beaucoup plus vite, il y a plein de trucs comme ça à gérer. Donc voilà, c'est... Ah, non, le jeu il est bien fait, par contre il est truffé de bugs, c'est un peu chiant. Bon, sinon la carte du monde est pas très très grande, mais sinon on s'y balade quand même pas mal, quoi. Et comme en général on évite de trop courir sur la map quand on est à pied, hein. Bah, du coup la carte elle se fait pas en 5 minutes, quoi. Donc ça va, non, les environnements sont artistiquement parlant, c'est bien fait. Voilà, sinon le bug rencontré par pas mal de joueurs à l'époque, pas mal, pas tous, mais pas mal. Par exemple, une mission dans une maison à l'écart de la ville où tu avais des zombies qui étaient coincés en dessous le plancher, et puis du coup, ils revenaient pas à la surface, donc du coup, tu pouvais pas tuer les zombies pour finir la mission. Moi, j'ai pas rencontré ce problème-là, pas du tout, donc je suis assez content en fait. Donc du coup, Voilà, moi c'est un jeu que je conseille. C'est un jeu que je conseille, il est vraiment très très bon. Sachant que je crois que prochainement, l'année prochaine peut-être, il y a State of Decay 2 qui va sortir. Voilà. Pour terminer cette vidéo, je termine avec Deadlight Director's Cut. Donc c'est vraiment un jeu très très sympa au niveau scénaristique. C'est un jeu qui se joue sur un plan 2D, avec des phases de plateforme, énigmes. Voilà, un peu de réflexion, plateforme, un petit peu d'action aussi. C'est très très sympa, donc ça se passe dans un monde post-apo aussi, hein, tout comme State of Decay, mais c'est assez différent quand même sur le contexte et tout. Donc un gars qui recherche sa famille en fait, et il sait pas s'ils sont morts ou pas, après voilà, j'en dis pas plus, je les ai commencé, je trouve assez sympa, voilà, après faut aimer le genre. Voilà, il est assez bon comme jeu, hein. Il est assez bon. Donc on le trouve aussi sur Steam. Mais bon, moi je préférais l'avoir en boîte, et quand j'ai su qu'il y avait une version en boîte, ben je suis passé à côté, je me suis dit, ah tiens, il était pas cher du tout, j'en ai profité. Donc, voilà. Voilà, bah écoutez, c'est à peu près tout. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Donc cette vidéo vous a été présentée par moi-même, Immortal71Kami, KamiD88 sur PC et Xbox Live. Voilà, présenté par oldschoolgameuniverse.blogspot.fr. Je vous dis merci et à bientôt.